Elle n'aura connu de son compagnon que les années de galère, les privations, les journées d'hiver presque sans feu, les dettes et même l'infidélité. Lui, c'est Claude Monet qui va devenir le chef de file des impressionnistes. Elle, c'est Camille Doncieux, issue d'une modeste famille et qui n'a que 18 ans quand elle commence à poser pour Monet. Quand ils s'attachent, cela fait déjà 6 ans que Claude a quitté Le Havre et sa famille et qu'il est à Paris, où il fait la connaissance de tous les futurs grands de son époque. La vie est rude. Il faut se loger, acheter les toiles, les couleurs et vivre. Et voyager, car Monet retourne souvent au Havre pour peindre ses chers paysages normands. Il n'emmène pas sa compagne, car cette liaison est mal vue des parents de Claude. Les tableaux rapportent peu. Celui-ci, pour lequel Camille a posé, est accepté au salon. Mais lorsque la lumière jaillit par trop des œuvres de Claude, le jury du salon cligne des yeux et se détourne. Camille attend une naissance pour l'été 1867. Le père de Claude lui suggère tout bonnement d'abandonner sa maîtresse. Les dettes s'accumulent. Quand on ne peut plus payer le loyer, on change de domicile. Entre son arrivée à Paris et son installation à Giverny, Claude Monet aura déménagé près de 30 fois. Un jour de 1868, mis à la porte d'une auberge proche de Giverny, Claude Monet quitte Camille et le petit Jean et se jette dans la Seine. Heureusement, trop bon nageur, il s'en sort. Renoir, Manet, aide le couple. Le bon Basile va même jusqu'à les héberger un moment. Camille et Claude se marient en juin 1870. Courbet fait partie des témoins, mais la famille de Claude ne bouge pas de sa Normandie. Pendant la guerre de 1870, où Basile va perdre la vie, Monet emmène Jean et la pauvre Camille en exil à Londres. Claude, qui la représente ici dans leur appartement londonien, ne peut masquer la mélancolie de sa compagne. Une période un peu plus heureuse suit l'installation du couple à Argenteuil. Paisible petite ville de 8000 habitants, à peu de temps de Paris par le train. Mais les difficultés persistent et la santé de Camille s'altère. On la voit ici passant comme une ombre au second plan de la toile, au second plan peut-être de la vie de Monet, trop préoccupée par son art.
L'année 1876 est un tournant dans la vie de Camille. Ernest Hochedé, riche marchand de tissus, marié à Alice, dont il a déjà 4 enfants, demande à Monet de décorer sa superbe demeure de Montgeron. Claude laisse Camille à Argenteuil et s'installe chez les Hochedé. Et 9 mois plus tard, naît un petit Jean-Pierre. Un petit Hochedé ? Est-ce bien sûr ? Cependant, Ernest Hochedé a fait faillite et le carnet de Monet est plein de dettes. Pour éviter les saisies, on quitte Argenteuil, on s'installe à Vétheuil, où Alice Hochedé rejoint le couple Monet avec ses 5 enfants. Autoritaire, c'est elle qui dirige la maisonnée. Camille se sent fatiguée. Elle a probablement un cancer de l'utérus et sa seconde grossesse, qui va lui donner le petit Michel, n'arrange rien. Camille ne va plus dans la campagne. Bientôt, elle ne peut plus garder ses aliments. Elle souffre. Le vendredi 5 septembre 1879, elle adresse de tristes adieux à ses enfants et vers 10h30, elle s'éteint. Alors que Camille repose sur son lit de mort, une étrange tentation s'empare de Monet. Il résiste. Il cède. Prend une toile. Commence une étude. Désormais, Alice Hochedé règne sur Monet, allant même jusqu'à détruire des souvenirs de Camille. Camille ne connaîtra jamais l'ère de prospérité qui s'ébauche enfin, ni l'installation 3 ans plus tard à Giverny. Pour autant, l'image de Camille s'est-elle effacée du cœur de Claude ? Écoutez plutôt. L'été 1886, 7 ans après la mort de Camille, Claude peint dans la campagne. Soudain, il aperçoit Suzanne Hochedé en haut d'un talus et s'écrie : mais c'est comme Camille à Argenteuil ! Nous reviendrons demain et tu poseras là. Claude fera 2 tableaux. Peut-être c'est plus beau.